J'espère que tout va bien pour vous, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un crash test maquillage. Maquillage pas cher et abordable pour tous parce que je sais que la plupart des filles aiment se maquiller et c'est vrai que souvent ça coûte super cher. Même moi au début j'achetais pas vraiment les maquillages justement parce que je trouvais que ça coûtait vraiment cher. Et cette marque en fait ça s'appelle Adopt. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, vous allez connaître. Cette marque, je ne connaissais pas du tout. Je suis tombée dessus par hasard, comme ça, parce que je suis allée faire un tour à Cap 3000, en fait, donc dans la Côte d'Azur. Et donc, je suis allée faire un tour parce qu'ils ont changé tout le concept du centre commercial. Enfin bref, par curiosité, j'ai voulu regarder, donc je suis rentrée. Et en fait, c'était moins 50% sur tout le magasin. Donc, elle m'a un peu expliqué le concept du magasin, que c'était, enfin, de la marque, que en fait, c'est une marque qui faisait du parfum, mais qui fait aussi du maquillage. Donc, j'étais très intéressée. Donc, de suite, elle a voulu me montrer un peu le maquillage, me faire un peu essayer, tout ça. Et j'ai voulu acheter. Donc, en plus de ça, c'était moins 50%. Voilà quoi, donc j'étais très heureuse. Et de suite, donc j'ai pris le maquillage. En rentrant chez moi, j'ai essayé et j'étais super heureuse. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un crash test. Je vais faire mon maquillage et en même temps, je vais vous présenter les produits de la marque Adopt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils parce que sinon je n'y arriverai pas. Enfin, c'est pas que je n'y arriverai pas. C'est que ça va être trop long et je pense qu'on a tous de quoi faire dans sa vie et pas regarder une vidéo qui dure 1000 ans. Hein, on est bien d'accord. Donc ce que je vais faire mes sourcils et après je vais vous montrer tous les produits que j'ai pris. Voilà. Donc c'est parti, je fais mes sourcils et c'est parti. Mes sourcils sont faits. C'est à peu près ça. Hein. Franchement, j'ai pas joué du tout avec ça. Enfin, c'est pas que je galère, c'est que c'est un peu long en fait. C'est potable, ça passe. Donc voilà, je vais attacher mes cheveux. Voilà. Donc là, au préalable, j'ai déjà mis mon primer. Donc une base, voilà. Primer, donc pour celles qui ne savent pas, ça va vous servir en fait de protection. Au lieu que le maquillage s'accroche sur votre peau, va s'accrocher sur le primer. En gros, c'est ça. Donc voilà. Donc le premier produit que je vais vous présenter, c'est le fond de teint. Voilà. Hop, vous voyez bien. Ce fond de teint a une couvrance super légère, très très fluide. C'est le Cover Light. C'est une couvrance très légère, mais ça dépend en fait de la quantité que vous mettez sur votre visage. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un peu plus, vous allez avoir une couvrance moyenne. Si vous mettez un peu plus trop, vous allez avoir une couvrance un peu plus élevée. Donc voilà, ça dépend de ce que vous voulez, mais en tout cas, à une couvrance très légère, très très fluide, très très lissante, donc trop bien. Franchement, j'adore. Quand on l'applique, on a l'impression que ça va pas du tout avec le teint, mais juste laisser quelques instants, ça se marie super bien avec la peau. Vous l'avez en 20 teintes différentes. Donc, il y en a pour tout type de peau. C'est ça qui est bien, que j'ai bien adoré. Donc, vous avez un peu neutre, rosé ou doré. Donc, le prix, il est de 16,95 €. Et moi, je l'ai payé moins 50% parce que c'était Black Friday. Mais sinon, c'est voilà, 16,95 €. Ça va, ça reste abordable. Donc, franchement, c'est à peu près les mêmes prix que Kiko. Un peu moins cher quand même. Ouais, c'est très fluide. Je m'approche pas trop de la lumière parce que sinon ça fait un peu trouble. Mais vous voyez, franchement, la couvrance, ça suffit largement. Vous voyez, là j'ai des taches et on les voit quasiment pas en fait les taches. Donc franchement, ça va. Pour les gens qui commencent à se maquiller, qui n'ont pas vraiment envie de se maquiller trop, franchement, c'est trop bien. J'adore. Là, on va passer aux paupières. Et pour les paupières, j'ai pris cette magnifique palette. Franchement, c'est pas trop beau. Même moi, j'ai faim là. Moi qui adore les macarons, j'ai craqué dessus. Oh là là, que c'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique, très joli. Et dans cette palette, en fait, vous avez 20 teintes, des teintes mates, nacrées, pailletées. Voilà, super joli, j'adore. Je vais mettre un peu, hop.
Hop. Et après, je vais l'étaler avec. Donc, je vais utiliser mon petit éponge tout petit, comme il dit ma fille. Hop. Voilà, la base elle est faite. Après, je vais utiliser donc cette couleur, ça s'appelle Pichpi, donc Pêche-Pi. Je ne saurais pas vous le traduire. Je pense que je vais utiliser plusieurs dégradés de marron. Je vais aller du plus clair au plus foncé. Enfin, je vais essayer de faire quelque chose de bien. Qui a une haute couvrance. Vous avez un embout en fait qui est super large pour avoir en fait une application précise et plus facile. Je vous conseille aussi de faire toujours vos paupières avant d'avoir mis votre anti-cerne. Parce que si jamais vous avez, vous voyez, toujours des particules qui vont tomber sur le visage. Donc ça aide aussi à les quoi gonfler un peu quoi. Donc là bon je vais utiliser un stick que ça vient pas de chez Adopt parce qu'ils en avaient pas pour faire un mini contouring. Voilà. Donc je vais l'utiliser. C'est un CHM. Estomper, 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 estomper. J'aimerais trop que mon visage redevienne comme ça. J'ai 20 kilos à perdre, quoi. Merci la grossesse. Pour vous dire que c'est terminé. En ayant fait un peu le contouring, on a toujours cet aspect un peu fantôme, moi en tout cas. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser la poudre bronzante que j'ai prise aussi chez eux. Ça se présente comme ça, je l'ai déjà utilisée. Hein. Voilà, ça avec la lumière, ça paraît un peu, voyez. Poudre bronzante, c'est super en fait pour donner l'ombre au visage. Il faut toujours le prendre en fait à une couleur un peu plus foncée. Moi là, la femme, elle avait que ça, malheureusement. Donc j'ai pris ça. Elle m'a suggéré de prendre ça, donc j'ai pris ça. S'il y avait un peu plus foncé, j'aurais pris, mais voilà. Donc je vais utiliser un gros pinceau. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser un peu plus haut en fait que le contouring. Là. Donc je vais l'utiliser un petit peu plus haut et faire en fait tout le contour en descendant un peu plus bas. Voilà, vous voyez, hop. Si vous en avez trop sur le pinceau, vaut mieux enlever l'excédent. Après, je vais utiliser donc mon blush, vous voyez.
Le mascara aussi, donc c'est le Max Ice Volume. Voilà, j'ai pris celui-ci. En fait, vous avez des... Ça sert en fait pour les personnes qui ont des petits cils comme moi. Enfin, j'ai des petits cils sans en avoir. Et ça attrape tout. Voilà. Super. Pour l'instant, j'ai pas été déçue de leurs produits. Si vous voulez pas mettre des faux cils, franchement, c'est top. Pour l'instant, j'utilise ça comme ça et je vais essayer de mettre mes faux cils parce que j'ai un peu du mal avec ça. Les amis, je vais pas vous dire c'est quoi la lighter que je vais utiliser parce que quand je vais vous faire le crash test, oh là 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 là. J'étais dans mon monde là, enfin, j'étais dans ma concentration, du coup j'ai pas filmé, mais bon. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai mis le crayon autour de la bouche. Et en fait, je vais utiliser un rouge à lèvres. Donc c'est le numéro 8 359, voilà. Voilà les amis, ça y est, c'est terminé. Moi, je suis très fière de mon maquillage. J'ai perdu une boucle d'oreille en faisant ma belle. Mais franchement, je suis très contente du résultat par rapport au prix. La qualité, je pense qu'il y a mieux, c'est sûr. Mais sincèrement, je trouve que ça suffit largement pour les personnes qui n'ont pas énormément de budget. Je vais essayer de faire souvent des crash tests comme ça pour des maquillages pas très chers. En tout cas, je suis très contente d'avoir trouvé cette marque. Qualité, prix, c'est vraiment très bien. Il y a des choses que je n'ai pas pris que je pense que je retournerai pour prendre. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo en tout cas. J'espère que vous êtes abonné à ma chaîne. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous et enclenchez la petite cloche pour avoir des notifications quand je vais publier des vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vais vous les mettre là tout en bas. Normalement, ça devrait s'afficher depuis tout à l'heure. Et comme ça, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Snapchat. Et voilà, je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse très très fort. Bye!